Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enflamme-nous, Seigneur, de la lumière de l'Esprit Saint. Emplis nos cœurs de ton amour. Affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 29 octobre et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Luc chapitre 14, versets 1 à 6. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Or voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropésie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander « Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis, il leur dit, « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt le retirer, même le jour du sabbat ?» Ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile, on voit Jésus qui manifeste que Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nous. Il cherche à faire du bien à tout moment, comme Dieu le fait pour nous. Jésus fait du bien à tout moment, même le jour du sabbat. Il donne cette comparaison. Si les pharisiens, qui normalement le jour du sabbat, les juifs, le jour du sabbat, ne doivent rien faire, sur ce jour-là, quelqu'un tombe dans un puits, on va le laisser, on va le sauver. Donc, Jésus dépasse donc cette hostilité, parce qu'il sait qu'ils vont l'accuser. Ils vont lui dire qu'il a violé le sabbat. Mais il dépasse cette hostilité pour faire du bien. Son dessein et son objectif, c'est d'offrir le salut, la guérison. Et cela est plus grand. Et rien ne peut arrêter même le regard accusateur quand je fais le bien. Il est bon que tu te poses des questions. Quels sont les regards hostiles, les regards accusateurs autour de toi? Est-ce que tu es déterminé à continuer à faire du bien? Tu es déterminé à faire ce que tu as fait? C'est ça la question qu'il faut se poser. Le motif, c'est la confiance que nous avons à Dieu d'agir ainsi, même quand il y a de l'hostilité, il y a un regard accusateur. Ce que Jésus fait aujourd'hui pour ce malade, il le fera aussi pour toi. Il fait du bien. Rien ne doit nous décourager et nous empêcher de faire du bien. Même pas les accusations, même pas les railleries. Voici l'enseignement que nous devons d'abord retenir en ce jour. Deuxième, c'est d'éviter le silence coupable. Ici, ces pharisiens, quand Jésus pose la question, ils connaissent la réponse, mais ils ne peuvent pas parler. Ça, c'est un silence coupable. Face à la question de Jésus, les pharisiens gardent le silence. Et pourtant, ils connaissent la réponse. Mais ils ne peuvent pas donner de réponse. Nous devons éviter des silences coupables dans notre vie. Il faut prendre la défense des opprimés, du faible, dans notre lieu de travail. Prendre la défense. Souvent, il y a des situations vraiment délicates où nous devons prendre position. Cela nous engage. Il faut apprendre à éviter le silence coupable. À savoir dénoncer dans nos entreprises quand les choses ne vont pas bien. Le DG a mal fait. Et toi, tu sais, mais tu ne peux pas dire qu'il a mal fait parce que ton poste est en danger. Ça, c'est un silence coupable. C'est un silence coupable. Il faut dénoncer les choses qu'il y a. Nous voyons bien des injustices, mais nous ne disons rien. Nous voyons bien des personnes qui sont maltraitées dans nos maisons, mais nous fermons les yeux. Par peur de perdre soit un travail, de perdre de l'argent, ou bien même d'être chassé du parti politique. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tuons-nous le silence coupable. Dénonçons les incohérences sans être aussi des complices de ce qui rend l'homme esclave. Au cours de cette journée, il est bon que nous puissions poser un acte de bien aujourd'hui, comme le Christ a fait pour ce malade. Et aussi, deuxième élément, de pouvoir dire ce qu'on a vu depuis, et puis on ne dit rien, de pouvoir dénoncer. Voici l'action que nous proposons ce jour. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.